Si vous les gens, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est le sujet qui fait que j'ai pas vraiment tourné ce dernier mois et demi. Le fait que j'ai pas tourné ce dernier mois et demi, ça tient à deux choses. La première, j'évite de faire des vidéos quand je vais pas bien en fait, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est difficile de bosser quand on va pas bien, et la deuxième en fait, c'est que si je vais pas bien, vous le voyez. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, souvent en ce moment, et j'arrive pas à savoir pourquoi, j'arrive pas à le cerner. S'il y a des camarades vidéastes qui ont la même chose, n'hésitez pas à prendre un petit peu de votre temps si vous avez envie pour me dire si vous avez un petit peu des clés de compréhension là-dessus. Mais la deuxième chose, c'est que en fait, souvent ça me fait peur. Ça doit tenir à mes sujets, ça doit tenir à la pression que je me mets probablement, le fait que je fais pas juste des vidéos pour divertir ou me divertir, mais que je fais des vidéos pour donner des clés de compréhension, enfin apporter quelque chose en fait. Et je me mets vraiment cette pression où pour moi j'ai pas le droit de me louper, j'ai pas le droit de dire n'importe quoi, bien évidemment. C'est important la façon dont vous allez recevoir en fait ce que je fais. Et je sais que avec à peu près toutes mes vidéos, ça a déjà, il y a toujours eu un moment où je me suis mal fait comprendre, où il y a quelque chose que j'avais mal expliqué ou qui était expliqué d'une façon qui avait fait que ça avait été reçu pas comme ça avait prévu, pas comme je l'avais imaginé en fait. Et voilà, et du coup, chaque fois que je fais une vidéo, je me demande, t'avais envie de parler de ça, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que les gens ont envie de voir ce contenu? Et je sais que je m'autorise pas nécessairement non plus à faire des trucs légers. Je sais que j'avais prévu de le faire, ça fait un an, peut-être un an et demi, que je m'étais mis des listes de sujets légers à faire, entre guillemets, de trucs qui seraient plus marrants à faire, où il n'y aurait pas cette pression, en fait, où j'aurais un droit à l'erreur, tout simplement, parce que l'erreur serait pas du tout importante, on s'en ficherait complètement de se viander, et de faire des choses, juste quelque part divertissantes. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que les gens qui se sont abonnés à cette chaîne, donc vous, je sais pas si vous cherchez du divertissement. Je sais pas si vous vous attendez à ce que je fasse des trucs légers, qui seraient juste, je sais pas, moi qui parle d'un jeu vidéo, d'un truc que j'ai aimé, ou de n'importe quoi, que je fasse des vlogs pour dire autre chose que « Oh là là, ça va vraiment pas bien, j'arrive pas à faire d'autres vidéos, je fais un vlog. » Donc, voilà, je sais pas si vous êtes en attente de ce genre de contenu, ou même si vous n'êtes pas en attente, si c'est un contenu que vous regarderiez pas forcément, mais que vous diriez pas, du coup, Tipoui, c'est en train de devenir n'importe quoi, je vais arrêter de regarder. Je sais pas, voilà. Cette vidéo va pas très loin, c'est probablement le seul truc que je vais être capable de monter aujourd'hui, mais je vais vraiment me faire violence pour tourner et essayer de me mettre sur cette espèce de planning d'une fois tous les 15 jours le mercredi. Je sais pas si je suis capable d'y arriver, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'être fonctionnel, de vous amener des choses, etc. Mais ouais, c'est pas toujours évident. Comme d'habitude, les commentaires, c'est chou. Enfin, si c'est des commentaires chou. Et partager la chaîne. Il faut qu'on touche plus de monde. Je veux dire, YouTube, c'est un peu comme un gigantesque auditorium. Donc, plus il y a de gens qui voient les vidéos, et bien plus le contenu il touche de gens. Et du coup, au final, c'est mieux. Voilà, désolé de tout ça. Des bisous. Tipoui.